Bonjour à tous, je suis Natacha Scrap 72 et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau projet basé sur Noël mais peut être décliné dans différentes occasions. Et j'ai pensé un petit peu aux enfants pour, en tant que marque-place, parce que nous faisons beaucoup de marque-place pour les adultes avec des petits chocolats, mais les enfants, on les oublie un tout petit peu. Enfin, on les oublie. Non, on les oublie pas. Mais en tant que marque-place, je voulais un peu leur mettre autre chose que les mêmes chocolats que pour nous adultes. Donc, je leur ai fait une petite boîte. Elle est simple. Elle est très simple. Et je l'ai remplie de chocolats que nos enfants aiment, je pense. Je les remplis, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, de petits chocolats comme ceci. Donc, l'ouverture et fermeture, pardon, un petit nœud. Donc, elle est bien remplie, hein, quand même. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai mis un petit fil de lin, mais on peut y mettre un petit nœud, on peut agrémenter d'autres choses que des petits... Enfin, voilà. Vous ferez la fermeture comme vous souhaiterez. Enveloppé d'amour, hein, puisque nos enfants en ont besoin. Des petits flocons en 3D. Et donc, le papier que j'ai utilisé pour celui-ci, c'est ça. C'est ça. Donc, il n'en reste plus beaucoup. Hein. Donc, j'espère que vous arrivez à voir. Donc, voilà. Et c'est de la collection Splendeur en flocons. Qui est au catalogue. Je vous rappelle par la même occasion que je suis démonstratrice indépendante Stand Pin Up. Donc, si vous avez besoin de matériel ou des renseignements ou des questionnements, vous pouvez me contacter via mon numéro de téléphone. J'espère qu'on voit. Donc, ici, ou mon adresse mail. Et la vidéo sera sur YouTube sous le nom de Natacha Scrap 72. Donc, pour réaliser ce nouveau projet, je ne vais pas continuer en bleu et avec la collection Splendeur Flocon. Je vais la changer et je vais la faire. Alors, je vais mettre ça là. Je vais la faire plutôt en papier rouge uni. Je vais prendre ce papier, ce papier design ici et qui est merveilleuse rejouissance, pardon. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous le montrer. Quelques feuilles. Hop. Donc, voici. Donc, d'un côté. Oups. Donc voilà, un échantillonnage. Et nous avons les versos. Donc recto, verso, hein, de différentes. Donc soit nous avons des motifs unis avec des petits traits ou vraiment des dessins sur le dessus. Donc voilà, donc, j'ai pris ces feuilles là. Donc c'est des feuilles qui font 15 par 15 si je ne me trompe pas. J'ai perdu quelque chose. Hop. 15-2 par 15-2 même. Donc,
Cette collection-là, vous allez la retrouver. Cette collection-ci, pardon. Vous allez la retrouver sur le catalogue, le mini-catalogue d'août à décembre. Et donc, voici, j'espère que vous voyez. On va essayer de mettre un peu plus de jour, de clarté, pardon. Donc, il est ici. J'ai utilisé aussi... on va utiliser, pardon, les tampons enveloppés d'amour. Donc, c'est celui-ci que j'ai utilisé pour la petite boîte bleue. Vous voyez? Donc, voilà. Là, les étoiles, c'est avec des dies d'une autre collection. Mais là, je vais utiliser donc le nœud qui est assorti avec la perforatrice. Et pour l'étiquette, j'ai pris cette perforatrice. Donc, j'ai pris ce modèle-ci. Donc, on va continuer avec ce modèle-là. Donc, il vous faudra donc du papier uni de couleur. Moi, j'ai sorti deux feuilles de DSP et j'ai un petit bout de blanc qui est quelque part, hop, qui est ici. Donc, voilà. Alors, on va commencer. Donc, pour ceci, nous avons besoin donc, de notre massicot. Je vais juste pousser ça pour pas que ça nous dérange. Donc voilà, donc, il nous faut pour le massicot, la feuille, donc qui était en bleu. Moi, je vais la prendre en rouge. Donc je reprends mes petites notes, hein, je suis désolée. Il nous faut une feuille de 20 cm. Oups, pardon, désolée. Donc, de 20 cm. Donc, on plaque bien notre feuille au bord du massicot. Hop, vous n'êtes plus dans le... Je ne sais plus. Voilà. Donc, on plaque bien notre feuille en haut. On se met à 20. Donc, on la fait coulisser à 20. Hop. Ça, on ne jette pas. C'est toujours utile. Donc là, c'est 20. Et de l'autre côté, sur 28. Donc, même chose. On plaque. On fait coulisser jusqu'à 28. Et on coupe. Même chose de côté. Ensuite, nous allons faire des plis sur les 28 cm. Donc, 28 cm. 20 cm. Donc, sur les 28, nous allons faire un pli à 6,5. Pareil, hop, on plaque 6,5. On ne se trompe pas. On prend bien la lame du plioir. Est-ce que vous me voyez là? Oui, ça doit être bon. 6,5. Donc, hop, on y va. 6,5. 13. Dix-neuf et demi. Et 26. Donc, je répète, 6,5. 6,5. 13 centimètres. 13. 19,5 et 26. Sur les 20, nous allons faire des plis à 5. Douze et demi. Et 17,5.
Donc, je vous montre 5, 12,5, 17,5. Pendant que nous sommes avec le massicot, donc ça je mets de côté. Hop, je vais tout de suite couper mon papier. Comme ça, le massicot ne gênera plus après. Donc, il nous faut 4 morceaux. Donc, 1, 2, 3, 4 morceaux, pardon, de 7 par 6. Donc, je me mets... Alors, attention à votre papier si il a un sens. Le mien, on voit qu'il a un peu les un sens puisque les cannes à sucre sont vers le haut. Donc, je me mets à 6. Donc, je plaque, je me mets à 6. Et je coupe. Et il nous en faut 4 morceaux de 7 par 6. Donc, ça, je garde. Et de l'autre côté, il m'en faut 7. Il me faut 7. Donc, je plaque. Et celui-là, même chose. Donc, hop. On a 2. Encore 2 autres. Donc, 7. Deuxième 7. Voilà les 4 morceaux. Et ensuite... Pour le devant et le dos, il nous faut 2 morceaux de 6. Donc 6, 4,5. Donc là, pareil, je vais faire 6. Et 2 fois 4,5. Donc je plaque, je vais à 4,5. Un morceau et 2 morceaux. Voilà, donc ça on met de côté. Le massicot, on peut le ranger, j'en ai plus besoin. Donc, je vais reprendre ma feuille. Et là, il va falloir découper. Donc, pour éviter les erreurs, on va mettre au crayon à papier ce qu'il faut enlever. Donc, il faut enlever cette partie-ci. Cette partie-ci et le petit morceau qui est là. Voilà. Hop. Donc là. Ne pas oublier de faire le petit biseau ici. Ensuite, on enlève donc la partie là. Et nous allons enlever la partie qui est là.
Donc, on se retrouve avec ceci. Là, je vais biseauter légèrement. Et là, je vais couper pour pouvoir former le fond de ma boîte. Bon, je rappelle, hein, la boîte, je l'ai trouvée sur les réseaux. Elle n'est pas de moi. Mais je voulais penser un petit peu aux enfants pour leur mettre des petites friandises sur la table de Noël, même si on sait que cette année, ça sera un tout petit peu compliqué. Enfin, un tout petit peu compliqué. Donc maintenant, nous marquons tous nos plis. Hop, ça c'est poubelle. On va coller notre papier design, donc ici. Alors, le papier est le plus petit normal pour faire un matage tout autour. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention au sens du papier pour que ça soit harmonieux. Les petits, ils vont là. Donc. Donc voilà. Donc, vous inquiétez pas, sur ma chaîne, il y aura, vous pourrez, pardon, regarder la vidéo en replay et il y aura aussi toutes les dimensions et le plan de coupe de cette boîte. Il faut vraiment mettre très peu de colle. Vraiment affiler. Voilà. J'espère que le projet vous plaira, que je verrai des petites boîtes sur les tables, enfin sur vos tables, pour les enfants. Après, je vous dis, hein, elle peut être, ça peut être décliné pour toute occasion, des anniversaires, des fêtes,
enfin des fêtes, Sainte-Catherine ou des choses comme ça, ou aussi pour des baptêmes, ou aussi pour des mariages. Peut-être que ça sera très grand pour mettre des dragées. Dans ces cas-là, vous diminuez au niveau hauteur et largeur. Enfin, vous diminuez vos dimensions hauteur-largeur pour faire des boîtes à dragées. Pourquoi pas? Donc là, mon papier, il est collé. Moi, je vais faire des repères sur les deux petites languettes pour pouvoir que ça soit droit, pour pouvoir faire mes petits trous pour la fermeture. Donc, je prends ma règle et mon crayon. Je sais que ça fait 6,5. Donc 6,5, je veux mettre, 6,5, si je dis une petite marque à 2. 2 ici. De chaque côté, pour ce qui est en longueur. Voilà, et sur ma hauteur, donc ça fait 2,5. Allez, 1,3 à peu près. Donc, hop. Ah, je souhaite un petit trou ici. Et je souhaite un petit trou ici. Après, on gommera. Hein. Voilà. Je prends ma petite donc ma machine pour faire les petits trous et je vais percer. Donc je me mets sur les marques que j'ai faites. Même chose de Alors, pourquoi je l'ai fait avant? C'est plus facile de les faire maintenant, avant que la boîte soit montée, que quand c'est collé. Voilà. Ça. Oups, pardon. Les petits morceaux. À la poubelle. S'il nous reste des petites marques, on les enlève, mais apparemment moi j'en ai pas. Pour coller, vous faites comme bon vous semble. Soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. Moi je vais choisir la colle. Alors on met bien sur les bords pour que la jointure se fasse correctement. Voilà. Ensuite, on se met bien bord à bord. Voilà. Quitte à nous aider de notre plioir pour faire adhérer la colle. Ah, ça bouge. Voilà. Et si je ne me trompe pas, tout se concorde au niveau des plis. Voilà. Donc, on va s'occuper du fond tout de suite. Voilà. Donc, je ne mets que... Alors, je vais coller. Voilà.
là. Donc je mets de la colle sur ce fond là. On pourrait ne mettre que la partie haute de la colle, que en partie haute de la colle. Mais moi je colle tout. Voilà. Pour faire adhérer, on peut servir de notre colle. Quand on va la fermer, les plis vont se faire d'eux-mêmes. Vous voyez ? Donc pour fermer, j'ai pris du petit fil, du petit fil. Donc voilà. Je vais peut-être le doubler. Je vais voir. Oui, je regarde. Donc je passe à l'intérieur par le dessus. À l'intérieur. À l'intérieur. J'espère que vous me voyez. Hop là. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à la fermer. Alors, il faut bien faire, faut bien marquer les plis. Hein. Je vais pas y arriver. Voilà. Et donc, donc pour la décoration, donc je vais imprimer sur mon carton rouge le petit nœud. Alors moi j'ai en rouge, j'ai lèvres vermeilles, c'est pas du ton sur ton, mais c'est le rouge que j'avais. Donc là, là, et je vais prendre celui-ci. Donc, pour poser, pour
mettre l'encre sur le tampon. On y va délicatement, comme si on faisait justement des bisous aux enfants. On vérifie qu'il y ait de l'encre à peu près partout. Enfin, à peu près, non. Qu'il y ait de l'encre partout, pardon. Voilà. Je ferme avant que je fasse des bêtises. Et on tamponne. Alors. On reste quelques secondes. On appuie bien. Ensuite, donc je me sers de la perfo. Oups, là, pardon. Ouf, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Je crois que je me suis trompée de sens. Oui, donc il faut que je recommence. C'est pas grave, on recommence. Donc, alors, c'est moi qui n'y arrive pas ou quoi? C'est ça. Et ensuite, je le mets dans ma perfo. Voilà. Je reviens, j'ai oublié quelque chose. N'inquiétez pas, je suis là. Je remets en place mon tampon et je vais prendre donc enveloppé d'amour. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, je ferme. Celle-ci, je ramasse. Et donc, je vais prendre l'autre.
voit toujours bien. Oh, je fais des bêtises. Hein. Je suis pas coupée. Ma petite feuille blanche. Donc. Même chose, on positionne, c'est au centre. Alors, vous inquiétez pas, quand vous utilisez le rouge, vous avez encore la pigmentation sur les tampons, mais une fois nettoyé, ça engendre en rien de l'utilisation avec d'autres couleurs. C'est le rouge qui reste, mais ça n'engendre en rien. Je ferme. Voilà. Et donc là, l'étiquette, bah, faut pas qu'elle dépasse de trop, donc je la coupe ici, à peu près. Positionne. On regarde derrière, si on est à peu près, enfin si on est droit même, pas à peu près. Là, et ensuite. Pour mettre, donc moi j'utilise de la mousse 3D, donc de la mousse dimensionnelle même. Au centre. Et concernant l'étiquette, je vais mettre un peu plus. J'espère que ça se voit. Oui, c'est bon. J'en mets trois. J'enlève les petites pellicules qui protègent. Et voilà. Donc, on pourrait mettre un petit strass, mais j'en ai pas. Je sais pas ce qu'il faut. Ou alors, on pourrait mettre un petit grelot aussi. Mais dans ces cas-là, il faudrait trouver soit. Enfin voilà. Donc, il y a des petits grelots. Non, c'est des petites clochettes, pardon.
clochette, mais je pense qu'il faudrait changer le ruban qui descend, enfin le petit nœud qui descend, je ne sais pas. Voilà. Donc il y a possibilité de mettre des clochettes. Donc je vous remontre les deux projets en rouge et en bleu. Mettez des pouces sur lequel que vous préférez, bleu ou rouge. J'espère que ce tuto vous a plu, enfin que ce projet vous a plu. Vous retrouverez tout sur, en commentaire sur, suite à la vidéo. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.